Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu es chaud pour cette session de Tenkichiche, la Playa Loca. Nous sommes mariés. Il est temps de continuer cet automne. Je sais plus ce qu'on avait en objectif à court terme puisqu'on a commencé Fallout 4 et du coup j'ai déjà oublié tout ce qu'on a fait la semaine dernière sur Stardew, sachant qu'on a fait aussi du Elden Ring cette semaine, qu'on va refaire du Elden Ring demain avec la run RP Loretta demain après-midi. C'est juste parti pour Stardew Valley. C'est pas la bonne scène. C'est la bonne scène. Let's go. Merci Maroutis pour les 2 mois. Merci Aleka pour les 2 aussi. Bonjour. Chargement en cours. Putain, il y a mes modes. Il y a mes modes Fallout qui m'empêchent de jouer à Stardew là. Putain, je suis en clavier ricain. Mais je pêche dans ma maison. J'ai juste envie de dormir aujourd'hui. Bah, bisous. Bonne nuit alors. Hein. Le temps sera nuageux avec des rafales de vent toute la journée. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Oh putain, on peut aller à la mine. Regardez vivre à la ferme. Accent sur le poisson, le saumon. Les saumons retournent sur leur lieu de reproduction à l'automne pour y déposer ses œufs. Cela signifie que les rivières en sont remplies. Vous ne pouvez les trouver qu'en automne, alors sortez et allez pêcher. Mais alors déjà, fallait que je récolte du bois dur. C'est vrai qu'on était dans ce bail-là. On avait 35 unités de minerai de cuivre à trouver, donc ça peut se faire aujourd'hui très facilement. Mais on avait d'autres choses à faire, je pense. Le mystérieux qui voulait des betteraves, mais on n'en a pas. Et la clé en tête de mort, bon, tant qu'on n'a pas de pognon, on l'aura pas non plus. Régler mes problèmes de rentissement sur Elden Ring. Alors, un petit peu, on verra demain. Demain, ce sera le grand test. Déjà, j'ai réussi à faire en sorte de lancer Elden Ring sans l'anti-cheat. Ce qui réduit pas mal les problèmes. C'est jour de maïs. Putain, quel régal. Petite journée récolte. On est déjà le 11 en vrai, les citrouilles, ça met quoi, 15 jours grand max? Ok, les inams c'est fait, les aubergines c'est bon. C'est bon, j'ai tout pris le maïs là. Quelle année au fait? C'est toujours la première année hein. On joue qu'une fois par semaine, donc on pose tout ça à la main. Et oui, parce qu'on est sur la ferme de la plage, et la plage... La plage, on n'a pas d'arroseur automatique à part un certain endroit, et surtout quand on aura les... Comment ça s'appelle? Quand on aura la serre. La serre, on pourra faire ça. Merci à Glyphon pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Combien? Merci vraiment. Arroser ce petit truc de merde là. Hop là. Donc la dernière fois que j'ai full arrosé, j'avais bien eu un problème d'énergie parce que là, je vais mettre maximum mid-bar en arrosant tout ce merdier là. Entendu Rayman derrière? Rien entendu moi. Bientôt va falloir que j'installe des mods pour Stardew Valley aussi. Genre un mode où tu sélectionnes toutes tes crops là et ton personnage il va les arroser automatiquement. Ce serait pas fou ça? Oh, j'ai fait mon arrosage parfait où j'ai plus d'eau là. T'étais couché trop tard étant crevé, ouais ça devait être ça. Du coup j'avais perdu de l'énergie pour le lendemain, malheureusement. J'arrive à la fin. Non, tu arrives au début, Fanny. Au début de Stardew. Par contre, t'as loupé une session d'Isaac légendaire. Comme d'hab, quoi. Ainsi que la démonstration de mode Fallout à base de mode de cul. Dommage. Coucou mes poulets! Pouette, 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 pouette. T'as raté un moment, ça par contre c'est vrai. Salut les animaux. Ça c'est Gius, je l'ai vu prendre la face sur Stardew Valley récemment, j'ai regardé un peu l'après-midi.
C'était peut-être il y a une semaine, ou peut-être cette semaine, mais peut-être qu'il joue déjà plus, mais... Enfin, déjà, il a quand même pris une sacrée phrase. Ça fait plaisir de voir des gens prendre la face sur le jeu, là. Gelée de mur, j'ai fait. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? Du maïs? Le maïs, c'est peu importe la... Non, justement. Hop là. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets mon pinard, ok. Bon, tout ça, c'est arrosé. Il va falloir que j'aille au magasin de pierre pour faire un peu d'argent. Géode. Qu'est-ce que je peux ranger, là? J'ai raté des tétés. T'es entêté, là. Les ignames, ok. Ça, c'est bon. Les œufs, ça va dans le frigo. Les goudrons de pain. Je range ça où, les goudrons de pain, déjà? Là. Les œufs, c'est bon. Hop. Ah. Il faut que j'aille au bois pour le bois dur. En vrai, il faudrait que je récupère aussi un maximum de murs, là. Vu que c'est la dernière journée où je peux en avoir, je crois. Il faut que j'aille à la mine aussi pour le cuivre. Faut que je regarde ce qui se passe en ville. Donc le bois dur, le cuivre. Vendre les trucs chez Pierrot, là. Pierrot le fabuleux, là. Ce qui est bien, c'est que techniquement, la mine, au pire, le mec sera sera au bar, quoi. T'as un badge moment, maintenant, t'as réussi ta vie. Bah, le moment, c'est la différence entre un viewer qu'on n'a pas et un viewer qu'on a, quoi. Encore une quête, mais ça va peut-être aller, là. On prend pour le larbin ou quoi, là? Je voudrais essayer de garder l'art de la pêche en vie. Je paierai 300 PO à tout pêcheur qui attrape 4 albacores. C'est l'anniversaire de Jody. Je vais jamais la trouver, Jody. Ah bah si, elle habille... c'est la meuf de Pierre. C'est sa femme. Allô, Jody. Que vais-je préparer pour le dîner de ce soir? Peut-être que je vais juste commander quelque chose à manger au saloon. Elle est où, Jody? Elle, c'est Caroline. Mais c'est qui, Jody, alors? Donc Caro, c'est la meuf de Pierre. Et Jody, c'est la daronne des gamins Alex machin, là. Oh non, un petit crabe a réussi à rentrer chez moi en se glissant dans la poche de ma chemise. C'est le problème quand on vit sur la plage. Jody, Jody, mais elle est où, Jody? Bon, ça, c'est chez les vieux. Quoi de neuf, t'as une petite chiche? Ça, c'est pas Jody, ça. À côté de chez Allé. Ah! Ah! Ah oui. C'est la voisine de Allé. Bah t'es... Non! Ex-voisine! Allé, elle habite chez nous maintenant. Oh! Oh le filon. Let's go. /23/35. Ça tombe bien parce que le cuivre, j'en ai besoin en plus, donc... Bring. Le rocher marqué. Du coup, je me tire. On va aller voir. On va aller en ville vite fait. On va aller voir lui là. D'apporter les minerais que j'ai demandé. Merci. J'aime bien inspecter les minerais locaux de temps en temps afin de garder une trace sur leur qualité, leur abondance. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je vois. Merci beaucoup. Tu peux garder ces minerais. Leur qualité est bonne. Et voici ton paiement. Quel énorme brasseur. Ouais. Oh, le roi de la brasse, lui. Hein. Enfin, ça, je l'ai déjà, je crois. 3 charbacs, ça régale. Ding, je l'ai déjà, quoi. Bon, essayons de trouver Jody pour son anniversaire. Ce serait sympa, quand même, de lui souhaiter.
J'ai toujours pas pêché le légendaire, je crois. Hein. Je n'ai toujours pas pêché le poisson légendaire de l'automne et il serait temps. Ouais. Trop bizarre qu'on ait toujours pas fait ça, cringe. Merci Docteur Caillou pour le Prime, merci beaucoup. Meilleur système de combat que Skyrim, ça régale. Oui, oui, merci Cocotti de rétablir la vérité. Le système de combat de Stardew Valley est meilleur que celui de Skyrim. En tout cas, sans mode. Sans mode, c'est juste la vérité, quoi. Bah, je dis... Tu l'as pas fait jour 2 ou 3 ? Peut-être. J'aurais déjà oublié. On l'a pêché, le poisson ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez fans de cette série Stardew pour savoir si j'ai pêché le poisson légendaire ou pas de l'automne ? En fait, c'est très simple. Hein. Je l'ai pêché. Ça, c'est celui de l'automne. Et celui de l'été, il est... Il est où ? C'est celui-là ? J'ai ces deux-là, là. Le G-Dog de Stardew. Hein. Sachant qu'on sait même pas ce qu'on veut faire sur le jeu. Bah oui, moi. Si, celui du pont de bois. Donc je l'ai bien fait. Hein. Moi, je pensais que j'étais allé une fois, mais qu'il était trop tard et qu'il n'y avait pas spawn. Je me rappelle être allé au pont. Hein. Je me rappelais pas l'avoir pêché. En fait. Ouais, donne-moi plein de points de foraging pour ça. En vrai, ça donne 0 points. Je crois que vraiment, ça, la cueillette comme ça, c'est nul. Bah, d'ailleurs, il y a des modes qui permettent de savoir où t'en es dans tes barres d'XP de foraging et tout. Hein. Stardew Valley et les modes. Hein. Pourquoi il dit que c'est l'été, ton poisson, là ? Réseau chaud de l'été et celui-là utilise un leurre bioluminescent pour attirer les proies, poisson pêcheur. Donc celui-là, c'est celui de l'été. Et celui de l'automne, c'est le poisson pêcheur, du coup. Sauf que c'est pas précisé que c'est en automne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut moins cher, parce que celui de l'été est plus difficile à pêcher que celui de l'automne. Celui de l'automne, c'est le plus simple. Ça fait automne, puis été, puis hiver, puis printemps. Et entre hiver et printemps, il doit y avoir celui des égouts. Qui est un peu chaud aussi. Putain, mais il y a tellement de murs hein. Je suis bon pour faire de la confiote de murs pendant des années, quoi. Je vais aller à la mine. Je suis déjà allé à la mine aujourd'hui. J'ai fait mes 35 de cuivre. Vous êtes en train de tomber de sommeil, là, je pense. Non, là, mon objectif, c'est à mon avis de faire du pognon pour acheter... Du pognon pour acheter de quoi aller à la mine du désert, là. C'est ça qu'il me faut maintenant pour remplir mes journées. De travail. Le problème de la mine du désert, c'est que ça va pas très bien avec le fait que j'ai pas de arroseur automatique. Ça, c'est validé que... Il va falloir trouver une solution quand même. Faire un peu de bois. En vrai, bois égale charbon. J'ai pas de mode sur Stardew Valley. Hein. Stardew Valley, je joue en vanille de chez vanille. Zéro mode. Sur Fallout 4, bon, vous avez vu, j'ai 2-3 modes. Pas tant que ça. Hein. Un ou deux, quoi. Et les modes Fallout 4, je les affiche que quand on est dans la catégorie.
Peut-être que les modos, quand ils font pour l'exclamation mode, ça fonctionne, je sais pas. Elden Ring, zéro mode aussi. On gagne du temps en coupant le bois par le côté source, le speedrun. Là. Sûrement réel. Hein. Alors attends. Oula, mon bordel là. Une noisette. Ok. 71 charbon. Enfin, 71 cuivre, 12 charbon. Pas beaucoup de forges. Comment on fait les forges déjà? Les fours. Fournaise, c'est avec de la pierre et des minerais de cuivre. Hein. Putain, oui, c'est chiant en fait. Ça coûte cher. Hein. Après, quand t'as beaucoup d'argent, tu peux acheter tout ça chez Pierre. Ça, je te vends. On va replanter du bois dur. Petite omelette du soir, là, un petit œuf sur le plat avant de faire dodo. Ça tourne mieux pour demain, un petit peu, on verra. Honnêtement... Le miracle est dur à atteindre pour Elden Ring, on va pas se mentir. Hein. Toutes ces graines d'acajou. J'ai tout ça en graines d'acajou, c'est réel, là? C'est la première journée in-game. De toute façon, vous aurez la VOD dès demain, au cas où. Oh, du gland, parfait. Alors, les glands, on est d'accord que je les ai plantés là. Hein. Ça, c'est les sapins. Je vais voir s'il n'y a pas du sapin qui a repoussé. Hein. Miam miam miam. Me régale. Il y a beaucoup de sapins qui repoussent. Je vais laisser ça. Je vais laisser se faire nature. Malheureusement, j'ai pas de quoi en replanter. Peut-être dans mon bazar. Attendez, tac 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 tac. En vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relocaliser tout ça. Hein. Délocalise la production. Ah, c'est pas mal que ce soit ici, mais bon. Ça fait pas énormément de place, quoi. Là, je pourrais en mettre plus. Voilà, c'est bien propre, ça. Ça, c'est bien, bien propre. Faut que j'aille faire dodo là, vite. 273 murs. Comment on fait moitié-moitié déjà? 137. Si j'en vends 137, en vrai, c'est peut-être pas mal, non? J'en ai pas besoin d'autant quand même. Projet de Robin, demain c'est bon. Alors. Ah, il fallait que je pêche des saumonades aussi, je crois. Le bois, je voulais faire du charbax avec ça. Des graines d'érable pour planter plus d'érable, mais j'ai pas de... Si, des... Comment ça, j'ai 113 pommes de pin? Bundle, les murs. Oui, mais il n'y en a pas besoin de 100. C'est dans le panneau d'affichage, c'est ça? C'est paquet de... Paquet forager, c'est 50. T'as défoncé du sapin depuis le début.
Mais autant, c'est pas possible. Hein. Oui, avec la carte kiwi peut-être, mais... Bon, bon, ce sera pas vu de la journée, quoi. Extraction minière, level 7. Une compétence de pioche et recette de fabrication de la transmutation de l'or. 2740 pour vendre 137 murs. C'est pas très cher payé, mais bon, je prends l'argent. Hein. Clairement, je prends. Merci, Baforoso, pour les 67 mois, la belle nuit, les brasseurs, des bisous. Collecte. Hop là. Le projet de Robin, aujourd'hui, ça va être bon, ça. Regardez Cosu. Le temps sera nuageux avec des rafales de vent. J'entends les esprits, ils sont d'une humeur normale. Ok, donc c'est possible de miner un petit peu. Bonjour chérie. Bonjour mon amour, ça sent bon n'est-ce pas? Je t'ai préparé un petit déj. Je sais que ton travail te préoccupe beaucoup, je suis là pour t'aider autant que possible. Donc en fait, elle va me donner des galettes de pommes de terre à l'infini, mais c'est trop bien ouais. Allez me... Enfin pas aller, mais Léa me donner du café, ce qui était peut-être un peu plus OP quand même. J'ai des tournesols à lui offrir ou pas hein? J'ai plus de tournesol. Bon bah ce sera une jonquille aujourd'hui. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de pouvoir lui faire des cadeaux tous les jours. Hein. Oh, c'est pour moi, merci. On peut pas faire de bisous aujourd'hui, Join. Pas de bisous. Les machines à charbac, c'est comment? C'est avec du lingot de cuivre, justement. Salut mon chien. Putain, c'est vraiment le travail là. Je commence à me rendre compte que là maintenant c'est y a plus de machine arrière, c'est on est lancé dans les dans le travail. Les roasties, moi je suis trop fan de ça. Hein. D'ailleurs les trucs de pommes de terre que je préfère prendre chez Pep Chicken, c'est les bouchées là. Ça s'appelle des bite sizer tots. Ces espèces de cylindres à la patate, là. Ça, c'est trop bon. Des fois, McDo, ils le font l'été, là, les cylindres patates, là, les Tater Tots. Ouais. C'est la meilleure frite à bouffer avec du burger, ça. Hein. C'est trop bon. Et justement, Louise me l'a fait remarquer, mais ça a une vibe de patate paillasson, là, des rostis. Des cylindres. Mais oui, mais regarde, tape Tater Tots. T-A-T-E-R, plus loin, T-O-T-S. Tu tapes ça sur Google Images en tapant patate au pire et tu verras ce que c'est. Vous connaissez 100%. C'est vraiment trop bon. L'espèce de ressort en patate chez McDo, parfois c'est bon. Ça aussi j'aimais bien. Bah, tout ce qui est pas les frites de McDo en fait. Des croquettes de pommes de terre. Ça ressemble un peu. Hein. C'est juste 20 000 fois meilleur. Quoi. Mmh. Prendre de la salade au McDo. Peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Peut t'éclater un gros burger en prenant de l'eau et de la salade. Et comme ça au moins t'es pas dans les extrêmes du sucre. Moi aussi, je suis team potatoes au McDo, mais les potatoes, elles sont moins bonnes que les trucs en forme de sizer tot, là. Ça, c'est trop bon. Pourquoi mon chien, il fait que brasser, là? Besoin de charbon. Hein. Besoin de charbon, envie de toi. 18 charbons.
Ok, les animaux. Il est 10h du mat, j'ai rien foutu. La cave à fruits, on n'y va jamais. Ouais, j'y vais une fois par semaine. Le pinard n'est pas prêt. Salut les vaches! Je me rappelle plus. Biovac, Dame Dame, Vachetien, ainsi que Meutos. Ok, c'est bon. On peut toujours pas traire, hein. Autoriser reproduction. Je peux toujours pas traire les vaches. Studio Poulet, putain, Studio Poulet qui m'aime. Code Code Féfé, pareil. Steph Luff, pareil. Si tu peux. Faut pas attendre que les vaches soient adultes pour pouvoir être... Pour pouvoir faire la trahison, la traire, hein. J'arrive pas à traire. Ah si je peux, mais c'est pas avec le bon clic. OMG, ça y est. Le lait. Merci Meutos. Oh c'est bon, ça y est, on va pouvoir faire des vraies omelettes. Oh, dis pas la trahison, putain. Hop, le lait, hop. Oh les omelettes. Oh let's go. Ah, les omelettes, ça carie, hein. C'est deux fois plus d'énergie et de santé. Oh, et un petit point bonus, en plus 22, on arrondit à 45, là. Gucci. Je vais prendre un lait, quand même. Et un œuf. Il n'y avait pas un truc qu'il fallait que je prépare, aussi? Je vais expédier ça. Fallait que je prépare la fête du cul, là. Oh, pousse-toi, mon titi, s'il te plaît. Pour éviter ce genre de situation, on va décaler d'une ligne, parce que c'est bon. Fait que je prépare la fête de... des fermiers, là, où il faut, en gros... Tu dois réunir 9 items qui sont les spécialités de ta ferme, ou tout du moins des choses dont tu es fier. Le festival, ouais. On va pouvoir le voir venir, ce truc-là, ou pas, là? Mais vous, des ruches sur votre ferme, mais si vous les blessez près des flûres, vous pouvez obtenir différents types de miel. Encore une quête. Non, mais allez vous faire foutre, hein, le village. On recherche un tueur de slime pour éliminer 4 slimes rouges dans les profondeurs des cavernes de la cave, là. Abigail, oh là. C'est une belle journée. Quand il fait beau comme ça, j'aime bien aider Evelyne dans les jardins publics. Elle est en bonne santé pour son âge, mais je pense qu'elle apprécie toute l'aide qu'elle peut obtenir. Evelyne, la vieille, là? J'ai oublié l'anniversaire de Jody. 4 albacores. On sait où on les pêche, les albacores, ou pas? Albacore. Préfère les courants d'eau où l'eau froide et l'eau chaude se rencontrent. Mais genre où? Sam essaye de faire un kickflip. Il a pas accepté la quête, Sage. Mais les slimes rouges, c'est un peu plan cul comme quête, non? Au pire, je la fais, mais... De toute façon, faut que je repasse en ville. Traveling Cart aujourd'hui, en plus. Ça fait de venir là, moi. J'ai surtout pas regardé quand est-ce qu'était la fête, quoi. Quel débile. Noix de coco, coquillage, pile, brousquette, tourte au mur, champignons violets, table de salle à manger, d'hiver, peut servir à décoration. Bah, c'était pas très bandant ce Traveling Cart. Dommage. Ah oui, la première année, c'est full plan cul la fête là. C'est pour ça que je l'appelle la fête du cul. Hein. Je sais que c'est de la merde en fait. Il m'en faut 5. La brousquette, bah oui. Comment t'appellerais ça, en vrai?
Bam. 2000 balles. Ah oui, non, mais 2000 balles. Putain, c'est ça qui arrive vraiment, ces quêtes-là. Hein. La pile, non? Je sais pas. Les piles, c'est pas si value à 1500 balles, je trouve. La brousquette. Ça change quoi si tu mets genre un charbon, une pierre, etc. Ah bah, en fait, t'as des items de faible qualité et tu gagnes pas de récompense, je pense. C'est une fête qui te reward si tu finis premier du classement, à mon avis. Bon, les poissons, ça me rapportait combien l'histoire des poissons? Je sais pas où ça se pêche, les albacores. Ben, je vais tricher, là. Albacore, Stardew. Alors, océan de 6h à 11h et de 18h à 2h du mat. Ah ouais, ben en fait, ça a vraiment des horaires pourris, de 18h à 2h du mat. La prononciation, c'est bruschetta. Ah bon? Ah, ça se lit pas bruschette? Ah merde, alors. Il y a Evelyne, la vieille. Bonjour, as-tu vendu maïs au magasin général l'autre jour? Je pense que j'en ai acheté. C'était un produit de haute qualité, impressionnant. Georges passe ses journées devant ce maudit poste de télévision. J'aimerais qu'il sorte plus souvent. Un peu d'air frais lui ferait le plus grand bien. Le mi-gâteau, là. 4 slimes rouges. Et la fête, le grand festival de Stardew Valley, c'est dans 1, 2... C'est la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine en termes de streaming. Et sinon, là, ouais, moi, ce sera la semaine prochaine. Bon, du coup, on peut quand même... Après, en vrai, à mon avis, en 3 jours, on pourra retomber sur nos pieds, sur nos patounes. Peut-être pas la peine de se faire chier après voir ça aujourd'hui. Hein. Bon, ce que je propose, c'est qu'on a pris la quête des slimes. Je suis pas con, hein. Tuer des monstres. Donc, si on a pris la quête des slimes, on peut essayer d'aller tuer 4 slimes rouges dans les cavernes de lave. As-tu rencontré le sauvage qui vit derrière notre maison, là? Je suppose que ça ne dérange pas vraiment tant qu'il ne nous embête pas. Non mais comment ça, le sauvage, c'est mon ami? Eh ben, il passe beaucoup de temps à travailler sur ses gazettes. Hein. Je suis ravi qu'elle soit aussi assidue. Le sauvage, quoi. Elle s'est cru dans Game of Thrones, quoi. Il y a un sauvageon. Désolé, bah tiens, Linus, le sauvage. Les arbres ont beaucoup à nous apprendre. Passe du temps avec eux, ils partageront peut-être leurs secrets avec toi. Bon, après, c'est sûr que si tu parles aux arbres... Frérot, je t'offre une noisette, quoi. Tu as déjà donné deux cadeaux à Linus. Merde. Il faut aucun effort, hein, Linus. Les cavernes de lave, c'est en bas. Hein. C'est tout en bas. 4 slimes rouges. Ça fait 1, ça. Masterclass, Zik. Et pourquoi y'a pas d'ennemis là? Il est habillé en peau de bête et parle aux arbres. Tu peux dire quoi par sauvage? Tu peux dire Linus. Et toc! Oh, je me fais des petits golds au passage, hein. Mais t'as cru qu'on était amis, toi, ou quoi, là? Ça compte, ça? Ok. Nice, y'a le dernier. Le der. Faut aller parler à quelqu'un? Parler à Lewis? Ou j'aille parler au maire, là? Ville. Ah, je me soucie pas trop de la météo, je reste dans ma boutique toute l'année, en général. C'est déprimant, non?
En même temps, frérot, je vais faire quoi de plus, quoi? Ferme à 16h. Oh, y a tout le monde, OMG, mais ça danse et tout, oh là là! Marnie ne semble pas remarquer ta présence. Ah, t'as une petite chiche, alors comme ça, tu nous as aidé avec notre problème de slime, merci, j'espère que tu n'as pas eu trop de problèmes, ces slimes peuvent être très dangereux en groupe, ça doit être un peu plus facile de faire de la spéléologie maintenant, grâce à toi. Profite bien de ta récompense. Merci pour les 500 balles. Est-ce que tu as une cuisine chez toi? Si tu as une cuisine, tu peux préparer toutes sortes de plats délicieux. Putain, toi dégage là! Mes jambes sont raides à force de rester assis à mon bureau toute la matinée à écrire. Hein. Oh, putain, en plus, il fait son lover en mode j'écris des poèmes et tout, là. Croyez que du poisson salé toute la journée me donne vraiment soif. Non mais attends, parce que je devais pêcher ensuite aller voir Willy, mais ça va fermer, là. Pêcher 4 albacores avant que ça ferme, ici. J'ai travaillé dur toute la semaine, je mérite bien un moment de détente le vendredi soir, quand même. T'as pas de travail à faire. Robin est occupé. Démétrius est occupé. Il y a tout le monde le vendredi en fait. Si je les cherche un vendredi soir, je suis pas très doué. Ah, je viens de réaliser qu'on était vendredi quoi. Parfois je perds totalement la notion du temps. Est-ce que je devrais laisser gagner Sam pour une fois? Non. Je suis trop mystérieux. Demain, c'est l'anniversaire d'Abigail. C'est pas Abigail qui aime genre les diamants? Sasuke. Ah, c'est vraiment Sasuke, lui. Hein. Rien d'autre à dire. Hein. Les améthystes, surtout, les quartz. Waouh, ça pêche dur là. Oh, oh, oh. Oh, le bacor ça, hein. Le corsaire de l'espace. Enfin, j'arrête. Tu choisirais qui en prétendant? Je les trouve tous nullos. Lee, L-E-H, la best, tout simplement. Inégalé, inégalable. Non, les albacores, donne-moi de l'albacore. Sauf son ex. Bah ça tombe bien, parce que genre... T'es pas censé sortir avec son ex, quoi. En garçon. En garçon, bah y a que des merdes, on va pas se mentir. En garçon. Alors l'autre il fait du football, l'autre il fait du skateboard, l'autre il fait des jeux vidéo dans sa cave. Crobus. Linus. Ah Linus, pas mal. Je suis pas sûr que tu puisses date Linus en vrai. Harvey. C'est qui Harvey? Harvey Specter? Soots? Le docteur Harvey? Mais tu peux date le doc? L'anglais là? C'est un albacore ça. Le corsaire de l'espace. Il est toujours... Ma connaissance des paroles s'arrête ici. Alors... C'est un légendaire ou c'est un albacore? Putain, c'est un grand concombre de merde. Le c'est qui Harvey qui résume bien le boug. Ah non mais clairement. Hein.
Allez. Pas d'anchois, hein. Un quatrième, s'il te plaît. Je sais pas à quelle heure il ferme le bar. Après, si le bar ferme, le mec rentre chez lui, il va pas se TP. C'est une anchois, putain, c'est pas un albacore, ça. Willy passe par là, ouais, c'est ça. Zéro death Isaac, quoi. Concombre de mer peut manger par le cul, chier par la bouche. Moi je sais faire la quéquette à Jacques Chirac avec mes mains et pourtant je m'en vante pas, hein. T'as réussi, Tentichich. Albacore est une très bonne prise, tu crois pas? Ce sont des très bons nageurs. Eh bien, voici ta récompense. Félicitations. Pas cher payé, hein. 500 balles pour les 4 slimes rouges, c'était un peu meilleur. Oh, pas toi. Tu vois, je lui casse la gueule, la personne le saura en vrai. Minuit 10, tout le monde dort au village. Bam! J'ai trop joué à Fallout, désolé. Un bourre-pif. Ok. Racines d'hiver. Il y a vraiment beaucoup de ça. Hein. Je sais pas si l'arbre peut pousser au bord de la mer. Vers de terre, merde, je l'ai pas vu. Puis là, il est tard. Là, faut faire dodo, là. Au lit. Avec le doudou qui dort au pied du lit. C'est bien. Le lait, c'est 150 balles, hein, mine de rien. C'est pas mal, hein. Le bacor, 112. Bring. Bonjour. Le temps sera clair et ensoleillé demain matin. Je vois qu'un nouveau téléspectateur nous a rejoint. Les esprits sont de bonne humeur aujourd'hui. Nice. Elle est pas là. What the fuck? Where are you? Oni! Where is my wife? Est-ce qu'elle est à son booth? Ah, elle est à son booth. 10 petites souris! Schlack! Elle m'a mis une photo là. Elle m'a pris en photo, mais il y avait pas le flash. On n'a pas pu faire de bisous et pareil, j'ai pas pu. Peut-être le bisou plus tard dans la journée et surtout le cadeau. Comment je vais faire un cadeau là? Les citrouilles, ça doit être demain, je pense. Hein. Enfin, ça sera la semaine prochaine, à mon avis. Je pense que c'est 14 jours. Si c'est 15 jours, en fait, on peut pas le faire deux fois dans le mois, donc ça doit être 14. Il faut les replanter le même jour pour être sûr d'en faire deux fois pendant la saison, quoi. Oh, qu'est-ce qui a poussé, là? C'est quoi, ce truc? Les canneberges, ça, d'accord. Et ça, c'est quoi? De la rose féerie? Ça sert même pas dans un bundle, je sais pas ce que c'est que ce truc. Citrouille, c'est 13 jours. Bah, c'est pas possible, elles sont pas là, on est au 13e jour. Je les ai plantées jour 1, non?
Je suis persuadé d'avoir planté mes citrouilles J1. Putain, je me suis encore couché trop tard. Hein. Putain. Un plus 13. Mais le premier jour d'arrosage, il compte pas? Il faut 13 jours d'arrosage complet, quoi. Ça pousse pas au 13e jour. Ok. Salut les cotes-cotes. Oh, hein, je commence à avoir des gros œufs. Let's a gang. Boîte, 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 boîte. C'est l'heure de la traite. Hop là, le lait. Ce bruit si satisfaisant, là, hop. On a bien, elle a bien pissé dans le truc, là. Mmh, le bon lait de ferme. Bien jaune, bien gras. Les œufs bien orange là, bien gras aussi. Le lait au sein doux. Non mais vous avez jamais vu une vache se faire traire ou quoi là? Vous avez vu qu'avec les machines, vous savez pas comment ça se passe à la campagne? Nom des os. Oh là là, les citadins là. Les citadins qui ont jamais vu ça là. Eh ben ça pue la pisse. Voilà. Alors, attendez. Le mec s'est pris pour un paysan. Mais je suis bien plus un paysan que toi, Mizufani. Je suis pas paysan, mais... Je veux dire, bon, j'ai les origines, quoi. Je connais pas ma vie, oui. Bon, qu'est-ce que c'est que ces roses, là? Une vieille légende populaire raconte que la douce odeur de cette fleur attire les fées. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore, là? C'est quoi là? Et puis bientôt il y aura des avions électriques et on se pètera la gueule hein. Non pardon, je me suis encore fait incarner par notre ami Michel Sardou, qui n'est pas notre ami d'ailleurs. Dans un bundle hein. Et pas du tout. Ah si. Donc ça, c'est quand j'ai tout. Quand j'ai tout d'un bundle, il me dit t'as tout, va donner. Il faut tellement d'argent, putain. Mais attends, là. On se fout de ma gueule, là. Ah oui, rose féerie. Mais du tournesol, j'avais du tournesol, putain, mais j'ai donné mon seul tournesol. Et j'ai vendu les autres parce que je suis un débile. Non, c'est pas possible, j'avais gardé un tournesol pour le bundle. Il est où mon tournesol là? J'ai quand même pas donné mon seul tournesol à ma meuf. J'ai quand même pas fait ça. Tu l'as donné. Mais non, mais j'en avais plusieurs, j'en ai pas fait qu'un seul. Ah, merci. Ah, attendez, paquet récolte d'automne. Il faut une aubergine. Il faut quoi d'autre? Un maïs, une citrouille, un igname. Mais j'ai pas la citrouille. Et le jeu, il me dit que j'ai tout, mais il se fout de ma gueule. Rip le bundle l'année prochaine. Non, mais les citrouilles, elles arrivent vite et fort, là, mais... Je me fais turbo-brasser. C'est pas grave, j'emmène tout ça là-bas. C'est pas perdu, hein. 50 murs aussi. En vrai, il y a plein de trucs que je dois pouvoir emmener. Encore une quête. Bah allez-y, faites-vous plaisir. Je recherche champignons communs pour rôtir pour le dîner de ce soir. C'est l'anniversaire d'Abigail. Attendez, j'y retourne. Merci Azalart pour les 2 mois de prime.
Donc une émeraude, non, vous m'avez dit quoi? Une améthyste. Une améthyste ainsi que les 50 murs. C'est pas bête ça, le, la strat des 50 murs, d'envoyer ça et c'est fait. Hein. Alors c'est quoi qu'il faut avec le paquet... paquet forager. Des prunes sauvages, 20. J'ai pas les 20 prunes sauvages. Non, pas du tout. Et les baies de saumon, encore moins. Quartz raffiné, elles sont mes améthystes. Espérons que ça va lui plaire. Hein. Merci à Zellard pour les 2 ans de Prime et Goliath pour les 14 mois. J'arrive pas à dormir hors de retour pour Stardew tout doux. Oh là là, mais c'est la file indienne là, qu'est-ce qui se passe? Ah 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 là que le. Ah, on joue à Snake ou quoi? Eh, Jazz déteste vraiment Raifort Sauvage, elle me l'a dit. Les choses ont beaucoup changé après l'arrivée du marché Joja. C'est vraiment très dur pour le magasin de pierre. Cependant, ma mère aime bien le marché Joja. Les prix sont bon marché, alors elle peut se permettre d'acheter beaucoup plus de choses que chez Pierre. Tu sens l'herbe? C'est moi où j'étais assez con pour pas prendre mon champignon commun alors que je devais en prendre un pour l'amener à Sébastien. J'adore les allers-retours. En même temps, c'est RP, hein. On va au village, je reviens du village, le village me revoit là. Est-ce que j'ai des champignons communs déjà? C'est la vraie question. Oui. Sébastien, c'est lequel Sébastien? C'est le geek à lunettes? C'est celui qui a 2 ordinateurs, un pour jouer au Skyrim, un pour jouer à Oblivion. Oh parfait, joyeux anniversaire. Tu te souviens de la date de mon anniversaire? Impressionnant, merci. Bah c'est écrit sur le panneau. As-tu des épouvantails sur ta ferme? Oui. Je suis surpris que tu veuilles te lier d'amitié avec moi, j'ai pas été assez désagréable avec toi. Toutes ces lignes de dialogue que je n'avais pas eu la première fois parce que vraiment je voulais pas leur parler à ces cons. Mais cette fois je suis moins introverti. Ok, palin. Paquet récolte d'automne. Hop. Dommage pour la citrouille, on m'a menti. Paquet jardin. Hop. Oh, c'est bien qu'on ait fait celui-là. Un arroseur de qualité. Paquet brasseur. Ouais, ça c'est vrai que c'est chaud à faire. Hein. Récompense la serre quand même. Hein. En fait, la serre, tu peux l'avoir année 1. C'est vraiment beaucoup de chance. Enfin, si tu te démerdes bien, tu peux faire ce paquet-là. Ce paquet-là, on va l'avoir dès qu'on aura nos citrouilles. On va avoir celui-là aussi avec la citrouille. Vu qu'il n'y a pas les récoltes d'hiver, vu que ça n'existe pas, en vrai, tu dois pouvoir avoir la serre en hiver. Premier hiver. C'est juste giga chaud niveau timing, mais en vrai... Ben, il me faut quoi? Paquet brasseur 20. 20, je vais en avoir. Du jus, je pourrais en avoir, en vrai. Bière blonde, je peux en avoir aussi. L'hydromel, je sais juste pas comment ça se fait. Mais c'est jouable qu'on finisse tous les paquets pour la serre avant l'hiver. C'est totalement jouable, en fait. Comment on fait des tonneaux, là? Bois, lingot de cuivre, lingot de fer, résine de chêne. Go faire des tonneaux, là. Attends, faut que je trouve Sébastien, le con, là. Enfin, c'est pas toi. Hein. C'est ton frère. Ton frérot, il est où, ton frérot? Salut, j'ai acheté maïs au magasin, là. Oui. C'était bon, hein. Toutes ces feuilles mortes vont nourrir les champignons et d'autres micro-organismes. Tu le trouveras pas à la douche, en tout cas. Hein.
Oh, petite scène avec justement le Geekos. Voilà ma dernière création là. C'est un lit à baldaquin de luxe fabriqué à partir du meilleur bois dur local. Robin, à quoi servent les 4 colonnes de bois? Ça me semble être une perte des matériaux. Oh. On appelle ça du style, tu sais, cette chose que la plupart des gens aiment. Et je vois ce que tu veux dire, mais nous ne pouvons pas laisser ça être plus important que la qualité et l'efficacité du sommier pour une bonne nuit de sommeil. Non, en vrai, tu sors avec Démétrius, la vie de moi, en 2 jours, tu le quittes, quoi. Regarde-moi ça, la sauter au plafond. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que t'es borné juste pour m'énerver, là. C'est ça que tu veux, dis. Salut, t'es une petite chiche, tu peux entrer? Regarde-moi ça, c'est le lit que j'ai fabriqué grâce à tout le bois que t'as ramassé, là. Qu'est-ce que t'en penses, dis? Les 4 colonnes sont inutiles. L'esthétique est parfaite. Pourquoi il dit youpi, lui? Le suceur? Eh bien, ça fait maintenant ce qu'on ressent d'être mal vu. Oh non, mais en plus, il se vexe. Oh là là, mais... Maintenant que j'ai un modèle, je peux commencer à le vendre dans la boutique, là. Et ça irait bien chez toi, quand dis-tu, je t'en mets une demi-douzaine? Une demi-douzaine? Du coup, elle les vend? Donne un accès limité à presque tous les meubles sans quitter le confort de votre maison. Ça, ça coûte que 200 000. Lit double rouge de luxe, ah ouais. Incre, ça coûte juste 6 000 balles, quoi. Il est où le Geekos, là? Fais pas genre! Vas-y Fanny, tu sais où il est là. Tu connais ses moindres faits et gestes, telle une stalkeuse. Il est où? En plus j'avoue, Démétrius il a pas compris qu'un lit avec 4 bonnes colonnes bien résistantes, c'est pour voilà quoi. Mais non, lui, il est tellement geek et scientifique, là, et... Je te le dirai jamais. Putain, mais super, hein, génial. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour survivre, et plus encore, la nature joue une mélodie merveilleuse si tu sais l'écouter. Je lis beaucoup aussi, la bibliothèque est l'une des raisons de mon installation dans la vallée. Dans la chambre de Sam, entre 13h et 18h. C'est qui, Sam? C'est celui qui fait du skateboard, non? C'est celui qui ne boit pas. Hein? Ce mec avait compris ça. Hein? Es-tu ami avec Alex? Il m'inquiète parfois. Ah bon? Je crois que tu peux trouver du saumon dans la rivière à cette époque de l'année. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Tu veux bien nettoyer ma maison? Je plaisante. Putain, mais je sais pas où il est, ce débilos, là. Allez, d'accord. Les sus m'habitent, quoi. Mais bit, c'est pas une tub, c'est en anglais, hein. When I was inside, I was looking inside, I was like, oh, oh, pue de la gueule, ouais. Oh, salut, t'as une petite chiche, Sébastien et moi, et tu es juste en train de faire une petite impro. Nous voulons créer un groupe, mais nous ne savons toujours pas quel genre de musique faire, il y a trop de possibilités. J'écoute quel genre de zik? Du rock progressif expérimental. Eh, tu sais quoi, c'est exactement le style auquel j'ai pensé pour le groupe. Ah ouais, maintenant il a cette voix-là. Ah, qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Devrions jouer ça, non?
Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Oh, merci pour ton aide, Tati Chiche. Avec mes compétences en guitare et les doigts magiques de Sébastien sur le synthétiseur, nous allons connaître un véritable succès, quoi. J'en suis convaincu. Maintenant, j'ai juste besoin de trouver quelqu'un pour jouer de la batterie, quoi. Je viens de me souvenir que je voulais faire quelque chose, mais j'ai oublié quoi. En fait, ça lui va trop bien, il est con. Ça m'arrive tout le temps, ouais. Bah, j'étais à deux doigts de rester au lit toute la journée, j'aurais peut-être dû tout compte fait. Hein. Tiens. Si pour ton aide, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais en fait, il veut des champlards pour se défoncer la gueule, non? Rôtir pour le dîner de ce soir, mais mon cul, non? C'est toi que t'as envie de rôtir. Bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Ton fils se drogue. Ah mais non, c'est pas son fils en plus. Mais enfin, il se drogue avec son pote le drogué, quoi. C'est la porte du crime, il faudrait dis-lui de changer d'amis, quoi. Tu as fait bouffer le mur au sable, hein, un peu. Hein. Alors, attendez. Ok, l'arroseur de qualité, j'en ai quelques-uns. Ici, ça se paraît, il va falloir en crafter. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il fallait des tonax. Les tonax, il me faut de ça. Non, de la résine de chêne, malheureusement, ou du pain. La résine de chêne, putain, mais les chênes, j'en ai pas! Ça pousse pas, le chêne! Emma, j'aurai des tonneaux dans 10 ans et demi! Bon, j'ai un tonal en plus. Wouhou. Du coup, il nous faudrait pendant l'été, pendant l'automne, là, il faudrait qu'on ait du pinard, du jus. Alors pour faire du jus, je mets genre un le jus de maïs. C'est... Qu'est-ce que je peux mettre dans le tonneau pour faire un jus? Jus de tomate? Ça marche ça? Un jus d'orange? J'ai qu'une orange. Le jus de tomate, ça doit fonctionner, non? Ils sont où mes backseaters sûrs, là? Il faudra... Ça doit fonctionner, ouais. Il me faudra une binouze. Donc le vin, je l'ai. Binouze, facile. Le jus, ok. Comment on fait un thé vert? Ou de l'hydromel? Hydromel, Stardew. Il faut du miel, j'imagine, mais j'ai pas de ruche. Tonneau, temps de traitement 10 heures, ingrédients miel. Ok. Et pour faire un thé vert, tonneau, feuille de thé. Les feuilles de thé sont des récoltes de type légumes qui poussent sur des théiers. Les plants produisent une feuille par jour chaque dernière semaine de printemps, été et automne. Les feuilles de thé peuvent être placées dans un tonneau pour produire du thé vert. Ouais, donc on va faire de l'hydromel. Mais hydromel. Il me faut du miel. Est-ce que j'ai de quoi faire des ruches? Ruches. Un sirop d'érable à mettre dehors pour qu'elles produisent du miel délicieux sauf en hiver. Let's go, faisons ça. Alors, sirop d'érable... Est-ce que j'ai 16 charbax? Oui. Et du bois. C'est-à-dire que je peux même en faire une de plus si je prends un sirop d'érable. Non. Ok, mes ruches, je peux les mettre là. Bon voilà, en vrai, on a fait des choses aujourd'hui. Mais du coup, il me manque énormément de... Pour le chêne, ça va arriver à balle. Et même si je veux plus de bocaux,
Faut, il me faut plus de charbon, de bois, de tout. Faut que je tape des arbres. Il me faut vraiment la clé de la mine aussi. Hein. Une fois que j'ai la clé de la mine, je pourrais faire des... Oh, nice. Oh, un nouveau tonneau. Je crois que non, je vais plus avoir assez d'argent. Si. Ok. En fait, une fois que j'ai la clé de la cave du désert, je peux stonk tous les minerais. Donc là, je vais avoir un jus. La bière. Il faut que je fasse de la binouze. Est-ce que j'ai encore du houblon? Putain, j'espère que j'ai encore du houblon. Il y a peu de chances que j'ai encore du houblon. Je crois que j'avais fait qu'un seul houblon pour faire une seule bière blonde. Ruche à côté des fleurs, il a dit les witches, je sais pas à quel point ça impacte. Ça fait des miels spéciaux, apparemment. Dis-moi que j'ai du houblon, putain, la vie de moi. Oui. Oui, oui, j'en ai plein. Ok, et du coup, il manquera l'hydromel. Mais facile, en fait. Facile à faire, ce bundle. Là, je suis curieux de savoir si, on... si ça va fonctionner d'avoir la serre année 1. Si on arrive à faire ça, c'est insane. Hein. On s'est trop bien démerdé comparé à notre premier playthrough. On pourrait être bien plus opti, j'en ai conscience, mais ça va, en vrai. Y'a pas d'arbre. Y'a plus d'arbre. Ah bah non, on le casse pas celui-là, justement. Le speedrun sert pour 100. Mais il est bien, le speedrun sert pour 100. Il est utile. Couper du bois. J'ai besoin de bois. Ouais, cette semaine, on a été bien d'opti, je trouve. Hein. Oh non. Lui. Mais il va me pousser dans l'eau, il va m'égorger, et puis on va jamais me retrouver, hein. Alors on veille tard. Eh tiens, bois donc une bière, là. À la vie. Quoi? T'as jamais l'impression que quoi que tu fasses, t'échoues toujours? Ah non mais lui, il est en dépression. Comme si t'étais coincé dans un abîme sans fond et qu'il est impossible de voir la lumière du jour. Il est au bout. Il est au bout de sa vie, Shine, malheureusement. Il est au fond. J'ai l'impression que peu importe les efforts que je fais, je suis pas assez fort pour sortir de ce trou. Il m'a tellement déprimé que j'ai défoncé ma binouze. Ah, tu bois vite, hein. Un homme comme je les aime. Prends pas l'habitude de boire comme ça, t'as toute la vie devant toi. Non mais il m'a filé une bière nucléaire là. Eh ben mon foie est sur le point de m'arrêter, mieux vaut que je rentre chez moi. Et plus tard t'es une petite chiche. Bon bah c'est bon, il va arrêter de m'envoyer chier du coup. Maintenant qu'il a pu partager sa dépression, malheureusement. Pompette, moi, un vitesse. Putain, je suis pompette. Dommage, Shane. Après, ça se trouve, tu peux le re-rendre heureux, tu vois. Tu peux peut-être l'aider à sortir de la dépression. Tu vas avoir une chiasse du tonnerre. Bah, après avoir bu de la bière comme ça, ouais, y a des chances, ouais. Dommage que l'effet pompette soit pas plus violent. Bah, c'est pompette. On n'est pas dans l'effet arraché turbo gueule de bois. Tu peux être pompette. Pompette, c'était joyeux, tu vois. Je veux dire, j'ai pas une cravate sur la tête en mode... Ohé. Oh, mal. Je suis juste pompette, quoi. Effet Depardieu. Non, Depardieu, c'est un autre stade. C'est le stade où l'alcool ne te fait plus rien. C'est imperméable. Pompette, c'est Sardou tire ou pas assez. Sardou, sur le plateau de BFM, en parlant de sa bagnole, là, il avait l'air arraché. Hein. Il avait pas l'air pompette. Hein. Et c'est ça la marque de ma voiture? Ah oui, ça. À quoi je roule? J'ai une Porsche GTS 980.
Non, il avait l'air arraché en vrai. Je sais pas si c'est les médocs ou l'âge ou les trois, mais... Il pue à l'alcool, hein. C'est validé que ça passe à travers l'écran, en vrai. Hein. Je suis trop content qu'on ait nos petites ruches, là. Ça me rend trop heureux, en vrai. De me dire qu'on va pouvoir remplir tous ces bundles du cellier en... avant l'hiver, ça me rend fou heureux. Trop content. Et c'est celui-là que j'aurais pu remplir aussi. Je suis débile, ouais. Ah, bref, on fera ça la semaine prochaine, quoi. La vue électrique, on va se casser la gueule, rien de rien. Putain, j'ai envie de le sampler sur la vue électrique. Et on va se casser la gueule. Putain. Donc la semaine prochaine, le concours, plus sûrement la fin de certains bundles et tout, hein, plus les citrouilles, replanter les citrouilles. Il va se passer des choses. Hein. Et pour cette semaine, c'est fini. Hop là. Plus traveling card, plus... Au revoir, monsieur. Incroyable. Toujours aussi bien, Stardew Valley, une fois par semaine. C'est l'heure d'aller jouer 6 heures à Fallout 4. Non, pas... Allez, hein.